l'organisme cherbrookois Momentum qui vient en aide aux hommes éprouvant des difficultés à trouver un moyen de financement original pour maintenir leur service. L'année passée, en 2014, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de visibilité, on n'était pas connu en Estrie. Donc, ce qu'on a fait, on a développé un partenariat avec la Maison Usinex, qui nous ont construit une maisonnette d'enfants, qu'on appelle la Maison de rêve pour enfants. Puis, avec ça, bien, c'est un attrait pour nous faire connaître des gens de la région, puis aussi bien, pour ramasser des sous qui vont nous aider à développer nos services davantage. Bien, ça va servir à payer les intervenants qui viennent chez nous. Eux vont nous charger un certain montant. C'est l'organisme qui paie ce montant-là. Donc, le client n'a pratiquement rien à payer. C'est en fonction de son revenu. Donc, il y a beaucoup de gars qui viennent, puis leur thérapie leur coûte rien. Donc, cet argent-là va servir à ça. L'objectif de l'organisme est d'atteindre 10 000 billets vendus. Il n'y a pas beaucoup d'aide pour les gars qui vivent une situation de vulnérabilité. Si la personne a un problème de santé mentale, va prendre en charge à l'hôpital. Il y a différents organismes qui peuvent aussi prendre en charge un gars qui a un problème spécifique, mais quelqu'un qui allait bien hier, puis pour X raison qui va mal aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose pour ces gars-là. Puis aussi, ces gars-là ne savent pas comment faire pour s'exprimer, ne savent pas quoi faire avec ce qu'ils vivent. Donc, c'est important de savoir qu'il y a peut-être un endroit pour eux autres. Le tirage s'effectuera le 28 août prochain au marché de la gare. D'ici là, les billets sont vendus au coût de 5 $ directement dans les bureaux de Momentum ou encore dans divers événements de la région.